Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Footpack pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est entouré des membres du Vince KFC pour une petite vidéo autour de la Predator Acura, un nouveau crampon de l'Adidas, la nouvelle Predator. Et sa particularité, c'est qu'elle est faite pour la précision. Donc si je donne une balle et que je la donne à Raïm et que je lui dis « mets une lucarne », qu'est-ce qu'il fait Raïm ? Il met une lucarne. Exactement, ouais, c'est parfait. Enfin, c'est pas Raïm qui met une lucarne, c'est la chaussure qui met la lucarne. Oui, c'est la chose. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc aujourd'hui, on va tester la précision du Vince KFC. On va faire quelques petits jeux. Mais avant de commencer, on va revenir sur la paire, vu que ça fait un petit moment qu'elle est sortie maintenant. Vous avez pu la tester sur le terrain. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Super légère. Voilà, ça c'est déjà un très bon attribut. Le confort, le confort. Je sais que toi t'as mis un Romain, c'est ta paire préférée toi chez Adidas. Ouais, moi j'ai toujours adoré chez Adidas Predator lacet comme ça, et on sent que voilà, on pose le pied dedans, c'est un chausson. Et non, c'est voilà, c'est un confort. De toute façon, on va le prouver dans la vidéo. Exactement. Qu'elle nous va très très bien. Allez, on va démarrer avec le premier jeu, question pour un crampon. Donc là, premier jeu, question pour un crampon, je le disais. Le but est simple, je vais poser des questions de culture générale autour de la paire. Nos amis ont des ballons, c'est pas des buzzers. Le premier qui prend la balle, qui la jette à terre, a le droit de répondre. Une fois que tu as répondu, ça t'offre le droit d'aller viser la cage. Dans la cage, il y a des petites flèches qui sont situées au niveau des lucarnes. Au sol, et bien sûr, il y a le but. Si on touche la lucarne du haut, c'est 3 points. En bas, c'est 2 points. Et le but, tout simple, c'est 1 point. On démarre avec la première question. En quelle année a été lancée la première Predator d'Adidas? What the fuck? 1986. Plus. Je vais dire 89. Plus. 93. Allez, l'OM. Plus. 98. Moins. Vas-y. J'ai 96. Moins. 95. Moins. What the fuck, 94. Ah, oui, là, c'est pour la Coupe du Monde 94. Ça c'est 2 points. Mais oui, il connaît pas la réponse. Et en plus, si, je trouvais au hasard le 94, c'était au hasard. Mais non, Marseille, plus, repère, Ligue des Champions. Plat du pied, sécurité. Deuxième question, là c'est rapidité. Si vous l'avez, ça jette le ballon. Ok. Devinez un joueur. Je suis anglais. Je joue actuellement au Borussia Dortmund. Bellingham. Bellingham. Bah ouais, c'est lui. Mais alors, moi j'ai tapé, j'ai dit Bellingham. Là, c'est n'importe quoi, t'as pas compris. Ça, c'est un buzzer en fait. Voilà, moi j'ai respecté le règlement. Merci. Oh, c'est magnifique. Oh là là, ça c'est un beau but. Mais ça rapporte qu'un seul point, Raïm. On va commencer. Troisième question. Sur la paire, il y a un gadget qui s'appelle le Power Facet. Où est-il situé? Sur la face? Ah bah non, bah. Il a dit sur la face, ça ne veut rien dire. C'est faux. Bah c'est là. Montrez le coup du pied. Non, c'est très subtil. Ah, c'est très subtil de ouf. Je vais dire que c'est sur le talon. Bah au niveau du talon, quoi. On ne peut pas accepter votre réponse, vous n'avez pas jeté. Si, ah, vraiment, j'ai tapé. Non, mais il y a la barre, vous m'avez dit. J'ai tapé. J'irai au niveau du talon. Non. Faut continuer à taper. Ouais. Ok. Ah, je sais. Moi, je sais. Vas-y, tu n'as pas de réponse. C'est ça, là, en fait. C'est ce truc. Non, mais la couleur. On n'est pas loin. En dessous la pointe de pied. Mais on vient de te dire que c'est au niveau du talon. Ouais, en dessous la pointe de pied, c'est ça là. Voilà. Oh, c'est une escroquerie. Raïm, s'il te plaît, laisse-moi jouer. Oh. Mais ça sert à quoi, Romain? En fait, ça me permet d'être puissant sur la face. Power facette. Non, je sais pas. Ça sera coupé au montage, bien sûr. Romain, je t'en prie. Non, je rigole. Lors de la frappe, ça nous permet d'avoir le poids vers l'avant et d'avoir plus d'impact. Excellent. Bon, on va tester ça. Je l'ai senti sur la frappe. Bah, Romain, tu montres ça. On va tester ça. Un point. C'est pas YouTube tout ça. C'est pas mal déjà. C'est pas YouTube. Question, je vais vous énumérer des noms de joueurs. J'ai une nouvelle technique. Dedans. Non, ça c'est la truche sur l'arbitre. Ça c'est petit. Télémagouille, c'est énorme. Donc il y aura un joueur qui ne sera pas en Predator et vous devez déterminer lequel c'est. Et bien sûr, on répond quand j'ai fini de. Ah, tu veux tous les citer. Voilà. Pedri. Ok. Donnarumma. Karim Benzema. C'est Donnarumma. Pedri. Non. Ah, c'est Donnarumma. C'est moi, Benzema. Oui. Ah, ouais. Benzema, il est en Predator. Mais il est en. Non, il a pas de Predator. Ah, il est en Predator. Ah, mais moi j'avais pas compris. Ouais, c'est bien, on suit. Hein, c'est... Bon, Vincent, il va falloir marquer maintenant. Oh là là, c'est dramatique. Double barre. C'est du jamais vu. Vous voyez, sur vos crampons, vous avez des petits picots. Ouais. Exactement, on appelle ça des picots. C'est ce qu'il vient de dire. Ouais.
Et ça sert à améliorer le toucher de balle et la précision. On l'a vu avec Romain tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Mais savez-vous comment il s'appelle? J'ai deux possibilités. Le Height Definition Grip. Ok. Ou le Demon Skin. J'ai fait une feinte. Le High Definition Grip. C'est ça, mec. Oh là là. Attends. Il est silencieux toute la vidéo, mais là, boum, il se réveille. Oh, pas mal. Oh, dommage. Rapidité, rapidité. Ah, j'aime pas ça. Pour vous qui êtes chez vous, citez-moi un joueur de Ligue 1 qui joue en Predator. Oh. Il joue en Predator. Donnarumma. Ouais, bien joué. Il est malin, il utilise le truc d'avant. C'est malin ce qu'il a fait. Vas-y, Raïm, vas-y, allez. Oh là là, le mec, on doit lui montrer compliqué. Il nous fait une lucarne. Sérieusement. Mais non, mais c'est injouable. C'est un jeu de faire ça. C'est dur. Et là, ça va être une note artistique. Je pense que vous pouvez poser vos ballons. Tour du monde. La toucher la balle par accuracy. Elle est son logo, c'est une flèche. Ok. Et je vais vous demander, chacun d'entre vous va me faire une flèche et c'est la plus belle flèche qui a le droit d'aller frapper. Non, c'est mon travail. Ok, chacun fait une flèche. Ouais. On commence ici. C'est pas mal. Je trouve pas fofolle. Ah si, elle est bien quand même. Elle est belle. Mais là, c'est plus. Mais eux, ils font rien, ils savent même pas. Non, mais ils trichent, lui. Ils trichent. Ça, c'est nul. Ça, c'est vraiment nul. Mais il a une. Non, c'est exactement. Moi, c'est dramatique. Moi, je ne sais pas. Je voulais pas faire comme tout le monde. Non, c'est vrai. De quoi? J'ai fait la même. Mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Non, c'est nul. Moi, c'est un dab raté. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe en. C'est un dab raté. Moi j'ai gagné, c'était dramatique. Je crois que c'est encore Raïm. Hein. Ah, mais il commence à me saouler lui aussi. Merci. Mais en même temps, il est artistique. Il est cette chaussure est faite pour la précision. Vas-y, allez. Ouais, pas c'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que tu dis. C'est surtout humble. Ah, c'est incroyable. Oh, il l'a fait. Il a fait un extérieur du pied. Oh là là là. 4 points. Mais ça, je m'incline. C'est parce qu'avec ce qu'il y avait ici, le poids. Il a tourné la cheville. Bravo. Et là, ça donne de l'angle. C'est très beau. Très 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 beau. Bien sûr, bien évidemment. Très belle merci. Merci de nous avoir accueillis ici. Merci, on a passé vous d'être un venu. Très grand bon plaisir. On s'est bien marré et on surtout on a régalé avec balle au pied, très important. Exactement. Franchement. On se retrouve sur vos réseaux. On va mettre dans la description. On va suivre l'actualité du Vin Sky FC bien sûr. Qui actuellement comment ça se passe au Vin Sky FC? Bah là on est en district, en départemental 4 des Yvelines. On continue, on est au top du classement, mais bon il y a de la concurrence, donc il va falloir rester concentré jusqu'à la fin de la saison pour essayer de monter en D3. Incroyable, on reste connecté, on suit tout ça avec attention. Quant à nous, on se retrouve à la prochaine sur YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo, on nous suit sur TikTok, sur Twitter, Instagram, bref merci partout. À Adidas pour tout le monde. Et merci Adidas de nous avoir accompagnés sur cette vidéo. Et on va terminer la vidéo en faisant la plus belle flèche de l'univers, c'est l'appelteuse de Champs. Ouais. C'est celle-là, mon gars. C'était horrible. Ciao. Allez, ciao.